On dit, il te faut sortir à l'avance là pour tous ces fans, là, pour tout signer, pour faire la photo avec tout le monde. C'est pour ça que tu sors un petit peu à l'avance? Non. C'est parce que voilà, c'était adapté aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, c'est les vacances. Donc les petits, tous les jours, ils viennent nous voir. Ça fait plaisir. On a besoin de ça aussi pour bien s'entraîner et pour profiter. Bon, vous avez pu travailler sereinement après cette belle victoire à Strasbourg. Toi, d'un point de vue comptable, tu en es à 13 buts. Tu as battu ton record personnel en Ligue 1. Déjà, quoi. On peut parler de saison réussie à ce niveau-là personnellement. Oui, c'est sûr que personnellement ma saison elle est réussie entre les buts et les passes des, mais voilà, c'est pas fini. Pour moi, elle sera réussie quand l'équipe et le club aura atteint l'objectif qu'on connaît. On va essayer de le faire. Ça va être très compliqué, mais on va essayer de le faire. Et voilà, s'il y a tout ça, serait magnifique. Quelques joueurs à 14 buts dans l'histoire du club en Ligue 1, est-ce que tu en connais l'identité à ton avis? Ouais, Bamogo. À 14 buts, après Bamogo, ce sera. À 16. Ouais, à 16. 14 buts, non, il y avait Giroud, il était à 12 ou 13, non, la première année. Première année, ouais. Bon, t'as eu Laurent Blanc, 90-91, ouais. 14 buts. Il a mis 15 buts un peu plus tôt avant, mais t'as eu Steve Mounier aussi récemment, c'est 14 vrai, buts. Ouais. Et Rémi Cabella. Après, si tu veux aller chercher Bamogo à 16 buts, ne t'en prive pas, mais t'as Giroud, ça sera un peu plus difficile à 21 buts. Ouais, bah, ça sera l'année prochaine, Giroud. Là, je vais essayer de Bamogo, déjà, ce serait bien. Bon, t'as 5 journées pour améliorer ce total. L'équipe aussi espère bénéficier de tes buts ou ceux des autres. 5 journées, tout à jouer encore. Hein. Mmh. Paris qui arrive, bon, ça, on s'en fait une montagne ou on aborde ça avec excitation? Non, au contraire. Nous, on sait que, voilà, que entre guillemets, c'est un match de gala, même si aujourd'hui, voilà, ils jouent samedi un match important. Et derrière, voilà, nous, on joue notre saison, donc voilà, ça ne va pas être facile pour eux. Et on a vraiment envie de gagner ce match. Donc, c'est pas un match de gala, mais en tout cas, ça va être un gros match. Et voilà, je l'ai fait la semaine dernière, mais je lance un appel encore à nos supporters. Vraiment, que je sais que le stade, il est à guichet fermé, mais on compte sur eux pour qu'ils nous poussent et qu'ils nous amènent, voilà, ce 12e homme.